Bonjour, c'est José des compétences essentielles pour le Nord-Ouest. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau. Les compétences que nous allons utiliser sont les suivantes. L'utilisation de documents, nous avons une liste à suivre d'ingrédients. Aussi, nous avons la lecture car nous avons les étapes 1, 2 et 3 à suivre. C'est des petits paragraphes. Et après ça, on va voir la mesure. Nous avons des tasses à mesurer pour mesurer la quantité de nos ingrédients. Et nous allons avoir aussi la technologie numérique qui est l'utilisation pour programmer notre fourneau. L'étape 1, nous allons préchauffer le fourneau à 350 degrés. Voilà, nous avons 350 degrés. Après, nous allons graisser le fond de nos moules pour pas que ça colle. Ce qu'il vous faut pour la recette, la liste des ingrédients, le mélange à gâteau qu'on a mis dans un grand bol. Après ça, j'ai une tasse d'eau et on a une demi-tasse d'huile et 3 œufs. Bien mélanger ensemble pendant 2 minutes. Première étape, on a versé la préparation à gâteau dans les moules. Et par la suite, faut suivre les directives du tableau ci-dessous. Nous, on a 2 moules de 9 pouces, alors ils nous demandent 24 à 29 minutes. On vient ici, on met la minuterie. Et on va le mettre pour 24 minutes. Et après 24 minutes, on va vérifier si notre gâteau est bien cuit. Par la suite, vous pouvez le décorer comme vous le voulez. Comme vous voyez, moi, j'ai fait un beau petit lapin de Pâques pour vous souhaiter une joyeuse Pâques à tout le monde. Merci.